Bonjour tout le monde, on va commencer. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être de reprendre le modèle sur lequel on a travaillé la dernière fois, donc le modèle de proie et prédateur avec de la densité dépendance et de la compétition qui régule la croissance de la proie, et d'en programmer une version, et de voir comment on peut développer des visualisations un petit peu plus interactives pour continuer à développer des intuitions sur le modèle. Donc on va pas avoir une réflexion très avancée d'un point de vue mathématique. Par contre, on va se lancer un petit peu plus dans les détails de comment est-ce qu'on utilise de la programmation pour décrire le comportement de notre modèle. Donc, il y a une bonne partie de la séance qui va être, on va dire, de la révision de comment est-ce qu'on implémente un modèle, comment est-ce qu'on arrive à le simuler. Et à partir de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les résultats de nos simulations en faisant des animations, en regardant comment est-ce qu'on peut utiliser principalement le package plot. Au travers de tout ça, on va développer quelques habiletés de base avec le langage. Donc on va voir ce que c'est qu'une boucle, on va voir ce que c'est qu'une expression conditionnelle, on va revoir des concepts de programmation qui normalement sont acquis, mais ce qu'on va voir, c'est comment on les implémente dans Julia. Donc on va utiliser la même chose que pour les autres séances, c'est-à-dire Modeling Toolkit, Differential Equations, Ordinary Defect, Lattexify et Plots. Si je me souviens bien, c'est tout ce dont on a besoin pour cette séance-là. Donc comme d'habitude, on va créer nos variables. Donc on a un modèle qui a deux paramètres, qui a deux variables, pardon, x qui va être la proie et y qui va être le prédateur. Et puis évidemment, t n'est pas encore défini, donc on va créer nos paramètres d'abord. Donc notre premier paramètre, ça va être le temps. Notre deuxième paramètre va être le taux de croissance de la proie, le taux de compétition intraspécifique de la proie, le taux de consommation. Je vais juste reprendre ce qu'on avait écrit la dernière fois pour être sûr de mettre les mêmes variables au même endroit. Le taux de prédation. Le taux de conversion du prédateur et puis le taux de mortalité du prédateur. Donc on va reprendre exactement le modèle qui est sur la page 6 des notes de cours de la dernière séance. On va lancer ça le temps que ça compile tranquillement notre fonction, notre macro paramètre. Et puis quand ce sera fini, on va refaire nos variables. Donc jusqu'à présent, c'est les mêmes choses que ce qu'on avait fait avant. Donc on a notre vecteur de paramètres, parfait, notre vecteur de variable, parfait. Première chose qu'on a à faire maintenant, donc, c'est de faire les équations. Avant, il y a une dernière étape, pardon, qui va être de créer l'expression qui nous donne la différentielle en fonction du temps. On va appeler ça dt. Une fois que c'est fait, on peut écrire notre système d'équations différentielles. Notre première, ça va être dt de x, donc la croissance de la proie en fonction du temps, et c'est égal à r fois x moins q fois x moins gamma fois y. Ça, c'est la première équation. La croissance du prédateur, ce sera égal à bêta fois x fois y moins delta fois y. Ça a l'air d'être ça. Moment de vérité, on va vérifier que ce soit ça, puisqu'on va avoir les équations qui vont apparaître. Parfait. Laissez-moi juste vérifier quelque chose avant. Oui, c'est bon. Ok. On va vérifier. On a Rx moins Qx carré moins gamma fois x fois y. Ça, c'est bon. Moins delta y plus bêta fois x fois y. Ça, c'est bon aussi. Donc, notre système, il est prêt. Et puis, on va le transformer en système d'équation différentielle. On va l'appeler 6. Et ça sera un ODE système dans lequel on va mettre nos équations. Parfait. Donc là, on va avoir les mêmes équations. Ce sera la représentation du système d'équations différentielles, celui qui est prêt à être transformé en problème et puis résolu. Parfait, même chose. Jusque-là, tout va bien. Toujours dans les révisions, la prochaine étape, ça va être de déterminer
les tailles de population initiale. Donc on va créer un objet qu'on appelle U0. U0, il va avoir la taille de population de la proie. 0.02, j'en sais rien. Et prédateur, pareil. Donc on va donner à la proie et au prédateur une taille de population initiale qui est la même. Et on va passer du temps à explorer ce que ça change ou non par la suite. Et on va se créer un objet avec nos paramètres. Ce qu'il faut documenter, c'est R, Q, gamma, bêta. Rappelez-vous, dans la séance de la dernière fois, on a calculé les relations entre les différents paramètres qui faisaient que le système il avait un équilibre avec les proies et les prédateurs ou non. On verra après si c'était bon. Je sais pas, de toute façon, c'est pas très compliqué à changer. Ok. On est prêt à créer notre problème. Donc, on va créer un ODE problème. Le problème qu'on veut résoudre, c'est notre système d'équation qui s'appelle 6. Ici, on va avoir U0 population à l'état initial. On va l'intégrer entre 0 et puis 200 pas de temps. À la fin, on avait utilisé un objet qui s'appelait T-span. On peut donner l'objet directement ici et puis on va donner les paramètres. Ça va créer notre problème. On va juste vérifier que la dimension du problème soit la bonne, c'est-à-dire qu'il y a bien deux variables. Et que le pas de temps soit le bon, de toute façon, ça devrait être le cas. On n'a rien changé depuis la semaine dernière ici. ODE problème est en train de compiler. Ah oui, on a oublié delta dans les paramètres. Ok, c'est pas très grave. Delta égale, j'en sais rien, 0.1. Et cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Puisque je pense qu'on a tous nos paramètres. Ok, parfait. Time span entre 0 et 200, U0, deux éléments, 0.02, 0.02, parfait. Au passage, quand on met des valeurs initiales, c'est jamais une mauvaise idée de mettre des valeurs initiales qui sont différentes, juste pour être certain que... on va le faire. On va dire que la proie va partir avec 0.025. Et on va juste vérifier que c'est bien la proie en premier, puis le prédateur en deuxième. Ça change rien en pratique, mais quand on n'est pas forcément sûr de nous, quand on fait quelque chose pour la première fois, partez pas avec des valeurs... identique, partez avec des valeurs différentes, comme ça on peut vraiment visuellement vérifier que ce soit au bon endroit. La solution de tout ça, ça va être solve du problème. Comme on a utilisé le package differential equation, ça va prendre le solver le plus approprié pour notre problème. Et puis après on va commencer à visualiser tout ça et voir ce qu'on peut faire avec. Donc l'interpolation qui a été choisie, c'est celle-ci. Parfait. Le temps pour lequel on a notre interpolation, on va voir après ce que c'est. Et ça, c'est nos tailles de population. Bon, là, ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, c'était faire un plot de la solution. Et si on fait un plot de la solution, rappelez-vous que ça va nous donner la série temporelle des deux variables. Donc on va avoir une ligne qui est à x, une ligne qui est y, qui correspond à la proie et puis au prédateur. Le temps que plot compile, ça va prendre un petit peu de temps, et après ça va s'afficher, on va avoir le même résultat que ce qu'on avait. En tout cas, on va avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait avec le modèle de chémostat. Parfait. Bon, j'aime pas du tout ces paramètres, donc je vais tricher un peu et je vais aller en prendre d'autres. Ah non, c'est les mêmes. Est-ce que c'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. 0,5, 0,5, 0,5. Ok.
On va relancer ça vite fait. Ah, ok, non, c'est bon, c'était pas tout à fait le même. Ok, donc voilà ce qu'on a. On a la proie, le prédateur. Et puis il y a des légères oscillations et ça finit par avoir l'air de se calmer. Donc rappelez-vous, quand on avait la semaine dernière, on avait dessiné les isoclines de notre modèle et puis on avait vu que notre espace de paramètres il était divisé en 4. Je vais essayer de mettre ce magnifique dessin ici là. Je sens que c'est dans vos notes de cours. Celui-là. Bref, on avait divisé notre espace en 4 et puis on était en train de se dire bah, peut-être que ça devrait osciller autour de la valeur du point d'équilibre et la question qu'on s'était posée c'était est-ce que ça allait finir par arriver sur ce point d'équilibre ou non. Donc, juste pour définir un petit peu tout ça, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On va commencer par faire quelque chose de très simple, qui est que, juste pour éliminer une partie de la complexité par la suite, on va transformer ça en une animation. Donc pour transformer ça en une animation, on va appeler ça Population Dynamics, et on va utiliser une fonction qui s'appelle anim. Et puis, anim, ça va prendre une boucle. Puis la boucle que ça va prendre, c'est pour chaque i, on va passer en détail sur chacune de ces lignes. Après, ne vous inquiétez pas. On va faire un plot de la solution de 1 jusqu'à i. Et puis, on veut que l'axe des x, il aille de 0 jusqu'à 200. Pourquoi est-ce que anime n'est pas défini? Parce que c'est animate. Ok, on va juste écrire ça, regarder ce que ça nous donne. Et puis, après, on va passer au travers de tout ça. Ok, donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'on a une animation et que cette animation, dedans, il y a une seule image, ce qui n'a pas l'air d'être normal. C'est parce qu'on a pris de 1 jusqu'à la longueur de t, et c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est solution point de t. Donc combien de pas de temps on a dans la solution? Ok, et donc là on a image numéro 1, 2, 3, jusqu'à 27. On a 27 images. Comment on sait qu'il faut aller chercher à point t ou point autre chose? C'est parce qu'on a lu la documentation des différents packages et qu'on sait comment nos choses elles sont organisées. Ok, on va découper ça en différentes parties. L'étape principale, le cœur de tout ça, c'est pas du tout animate, c'est cette boucle qui nous dit pour i dans 1 jusqu'à la longueur de solution.t, fait quelque chose. Ce quelque chose qu'on va faire. Ah oui, j'ai juste supprimé là. Ok, c'est pas grave. Solution pointée de i. Ok. On va juste faire un print du coup, parce qu'on est dans un notebook. Parfait. Donc là, la façon de lire cette ligne, ces trois lignes, en fait, c'est qu'on va avoir un objet qui va prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'au nombre d'entrées qu'il y a dans solution pointée. Si vous posez la question de qu'est-ce qu'il y a dans solution.t, ben, on peut l'écrire. Ici, solution.t, c'est un vecteur qui a 27 éléments. Okay. Donc on devrait avoir 27 sorties. Le début, c'est le premier pas de temps, le t0 de notre simulation. Le dernier, c'est le tf de notre simulation, le dernier pas de temps. Après, le package qu'on utilise, il prend des décisions de quel pas de temps est le plus approprié pour nous renvoyer les résultats. Donc ça, on va le supprimer. Et là, ce qu'on peut regarder, c'est voilà quels sont les différents pas de temps qu'on a utilisés. Il y a un point qui est assez important, qui est en fait ce qu'on a demandé à notre boucle de faire jusqu'à présent, c'était pas de prendre le pas de temps de t qui correspond, c'était de prendre de 1 jusqu'à i. Donc quand i va être la première entrée de la boucle, ça va être i égale à 1. Donc ça va prendre le premier pas de temps de la solution.
Quand i va être le deuxième pas de temps, ça va prendre du pas de temps 1 jusqu'à 2. Quand ça va être le troisième, ça va prendre 1, 2, 3, etc. Et puis quand i aura atteint la longueur du nombre de pas de temps, ça va prendre l'intégralité de la solution. Donc si on exécute ça, il n'y a rien qui est affiché à l'écran parce qu'on n'a rien demandé, mais on peut demander à ce que ce soit affiché. Et puis ce qu'on va voir, c'est que ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas très grave. Ça va nous afficher déjà le premier pas de temps, ensuite les deux premiers, ensuite les trois premiers, ensuite les quatre premiers, etc., etc. Ok, on va couper ça parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Décomposons un petit peu tout ça. On va la garder ici. On va la garder ici. On va juste rajouter quelque chose. Qu'est-ce qui se passe si on fait un plot de 1 jusqu'à 5, par exemple? Donc on prend les 5 premiers pas de temps. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? Ok, laissez-moi essayer quelque chose. Je sais pas pourquoi est-ce que il devient capricieux comme ça. Ok. Laissez-moi 2 secondes. Merci VS Code. On va redémarrer. Je sais pas pourquoi. Il y a des fois où il arrête de faire des figures quand on utilise des notebooks. Mais c'est pas bien bien grave. On va faire ça comme au bon vieux temps. De toute façon, on n'avait pas écrit grand-chose. Parameters, TRQ, data. Animation.gl. Allez. Gamma delta variable x de t, y de t, dt égale différentiel de t. On va exécuter tout ça. Ok. On va réécrire nos équations. T de x, c'est égal à r fois x, moins q fois x, moins gamma fois x fois y. Et dt de y, c'est égal à θ fois x fois y, moins delta fois y. On va recréer notre système, ODE système, avec nos équations. On va créer notre état initial, x égale 0,05, y 0,06, un vecteur de paramètres, r égale 0,2, q égale 0,4, gamma 0,5 bêta 0,45 delta 0,1
problème, ça va être un ODE problème du système qui part avec U0, on va aller de 0 jusqu'à 200. Et puis on va prendre ces paramètres-là. Je pense qu'on a tout. Ok, bon ça va, on n'a pas perdu trop de temps. Je vais juste décaler le terminal de ce côté-là. Comme ça, on l'aura à côté du code. Les notebooks, c'est bien, mais quand ça arrête de marcher, c'est foutu. Du coup, j'essaye de pas trop les utiliser. Et puis, je finis toujours par les utiliser en me disant, ah, cette fois, ça va marcher. Et non, ça marche pas. Bref, ok. Donc là, on a redéfini notre problème. Après, on va être prêt à le résoudre. Solution, c'est égal à solve du problème. Et puis, ce qu'on avait fait, c'était visualiser la solution. Ok. Bon, on n'a pas perdu trop de temps. On est revenu là où on en était. Ce que je voulais vous montrer... Ah, avant ce problème technique, c'était ce qui se passe si on fait le plot de la solution en prenant seulement les 5 premiers pas de temps, de 1 jusqu'à, de 1 jusqu'à 5. On va attendre que plot recompile tranquillement, et puis après on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, c'est les joies de faire les trucs en direct. Alors, c'est les joies de faire les trucs en direct. Oh, au passage, si vous avez des questions, les mettez pas sur le Discord parce que je les vois pas. Donc, soit posez-les à l'oral, soit mettez-les sur le chat sur Twitch. Ok, on va réessayer ça tranquillement. Laissez-moi 3 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans là. Et on va virer ça. Un point. Et puis. Parfait. On est de retour. Ok. Ok, on va réexécuter tout ça. Ok, c'est bon, c'est en train de charger. Voilà, parfait. Question. Vous aurez les scripts sur Discord, en fait. Il y a dans le channel qui s'appelle... dans la section notes de cours, il y a un channel qui s'appelle programmation ou pratique, je ne me souviens plus, dans laquelle vous aurez
Les scripts. Vous n'aurez pas toutes les versions. On va pas garder toutes les modifications qu'on fait ligne par ligne, simplement parce que y a les vidéos pour ça. Mais vous aurez les versions finales que vous pourrez réutiliser par la suite. Normalement, les codes sur la séance sur les chémostats, ils y sont déjà. À la fois la version notebook et la version texte que vous pouvez réouvrir dans Visual Studio Code, dans Visual Studio, et ça va vous les réexécuter. Au passage, ce modèle-là, donc ce code-là, vous pouvez le prendre pour vérifier les résultats que vous allez obtenir pour on va pas le modèle sur le stream. Ouais. C'est pour ça. Ok, c'est bon. Vous allez revoir le modèle dans 3 secondes. Ce modèle-là, vous allez pouvoir ce code-là, vous allez pouvoir le réutiliser pour vérifier que votre réponse au devoir optionnel sur le modèle de proie et prédateur sans compétition intraspécifique est correcte. Simplement parce que vous allez pouvoir mettre ce paramètre-là à zéro, regarder le comportement des visualisations et puis voir si ça correspond à ce que vous allez trouver. Pas de méthode matching, save fig. Ok, parce que de toute façon, on n'a pas besoin. Ok, on va juste regarder le plot. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Est-ce qu'il réexécute tout? Ah, je sais pas. C'est difficile ce matin. Ok, parfait. Voilà notre plot. C'est marrant, on a choisi des paramètres qui font qu'ils ont exactement la même valeur à la fin. Ok, donc qu'est-ce qui se passe si on prend nos 5 premiers pas de temps? Donc là, ce que vous voyez, c'est notre ligne avec les pas de temps 1, 2, 3, 4, 5. Si on veut voir ces pas de temps où ils sont répartis, on peut utiliser la fonction scatter à la place de plot. Et la fonction scatter, ce qu'elle nous montre, c'est un truc assez important qui se passe, c'est que les pas de temps 1 à 5, ce n'est pas le temps égal 1 jusqu'à 5. C'est les pas de temps pour lesquels l'algorithme a dit, à ce moment-là, c'est important de donner l'information. Ça, c'est bien utile, mais il y a des fois où on aime avoir une solution tous les pas de temps. Okay, on aime que, si je dis donne-moi les deux premiers pas de temps, c'est vraiment T0, T1. Donne-moi les trois premiers pas de temps, c'est T0, T1, T2. Donc pour ça, on a un argument supplémentaire quand on va résoudre notre problème qui est save at. Save at, c'est sauve tous les. Et puis on va lui donner un chiffre. On peut lui donner soit une série de valeurs en disant sauve à 0, 5, 6, 10, 200. Si on a envie de faire ça, pourquoi pas. Où on peut lui donner un chiffre et donc il va sauver tous les multiples de ce chiffre-là. Donc là, on va rajouter save at égale 1, simplement parce que quand on va animer, ça va être beaucoup plus utile. Et là, on voit que notre solution, elle a 201 éléments. Okay, donc elle a T0 et puis après, elle a les 200 pas de temps jusqu'à 200. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si on visualise notre solution, ça a exactement la même forme que tout à l'heure. Par contre, si on prend les 5 premiers pas de temps, là, on voit que c'est effectivement T0, T1, T2, T3, T4. Parfait. Bref, revenons là où on en était. Ce qu'on voulait faire, c'était pour i, qui valait de 1 jusqu'au nombre de pas de temps. Le nombre de pas de temps, ici, on le connaît, hein, c'est 201. Mais si on décide de le changer, donc on ne va pas écrire 201, va chercher la longueur du nombre de pas de temps dans la solution. Simplement parce que si on décide de changer le nombre de pas de temps sur lequel on fait notre intégration, on veut que nos figures elles changent et qu'elles utilisent de bons pas de temps à la fin. Donc pour chacun de ces pas de temps, on va faire un plot
qui va être la solution de 1 jusqu'à i. Et on va rajouter que la limite de x, ça va être 0 à... Et on va dire que ça va aller jusqu'au... Ah ben en fait, on va faire plus simple que ça. On va utiliser une fonction qui s'appelle extrema. Et la fonction extrema, elle va nous renvoyer la valeur minimum et la valeur maximum. Donc ce que ça veut dire, c'est que ben, l'axe des x, ça va être tout le temps qu'on va utiliser. L'axe des y, là, il va varier un petit peu. C'est pas grave, on va le changer après. Devant ça, on va mettre animate. Si on exécute ça normalement, je dis normalement, mais ce matin, je réponds de rien de ce qui se passe. Ça devrait nous faire un petit plot. Ça devrait nous faire un GIF ou un truc comme ça. Ok. Donc là, ce que ça nous fait, c'est... on va vérifier, super important, nos images, elles vont de 1 jusqu'à 201. Et on a bien 201 pas de temps. Ça, c'est cool. Donc... on va appeler ça Population Dynamics. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est mettre ça dans une fonction qui s'appelle GIF. Tout ça, c'est documenté dans le package qui s'appelle plot. Ok. Le package plot, il fait à peu près tout. Et là, quand on fait notre GIF. Parfait. Voilà ce qu'on a. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que pour chaque pas de temps, on va aller représenter la solution jusqu'à ce pas de temps et jusqu'au moment où on arrive à 200. Donc là, dans les premiers pas de temps, l'axe des Y, il change. Et donc, on ne voit pas forcément bien ce qui se passe. Et on va, pour corriger ça, aller rajouter un argument à Ylim qui va être 0 jusqu'à 0.5 à peu près. On va voir ça. On va réexécuter tout ce bloc-là. Et quand ça aura fini, ça devrait nous faire quelque chose avec un axe vertical qui ne change pas au cours du temps. Parfait. Ok. Donc là, on voit les oscillations. Dans GIF, il y a des arguments comme nombre d'images par seconde. Par défaut, c'est 30, mais vous pouvez accélérer, vous pouvez ralentir votre animation si vous voulez. On va pas rentrer dans ces détails là. Un point qui est vraiment important ici, c'est que faire une figure, c'est extrêmement long. Juste faire une figure, c'est à peu près le truc le plus long qu'il y a à faire. Et donc si vous avez 200 pas de temps, bah, vous allez faire 200 figures et du coup ça va être assez long. L'intégration du modèle, on peut voir combien de temps elle prend. On peut faire un add time de solve problème. On va juste mettre un point virgule pour supprimer la sortie. L'intégration du modèle en soi, elle prend 2 × 10⁻⁴ secondes. On peut aussi faire le temps que ça prend de visualiser la solution. Visualiser la solution, ça prend 10 fois plus longtemps. Okay. Donc, ça n'a pas l'air intuitif comme ça. On se dit, faire une simulation, c'est beaucoup plus compliqué de faire une figure. Non, en fait, en termes de temps, de ressources que ça nous coûte, faire une simulation, c'est 10 fois moins coûteux que de faire une figure. Donc quand vous faites une animation avec 200 étapes, bah, vous avez 200, vous avez ce processus à reproduire 200 fois. Et faites pas l'erreur que j'ai fait récemment de faire un GIF avec 35 000 étapes, parce que ça prend des heures et des heures, et c'est pas du tout efficace. Donc là, on va... donc là, on a fait une animation, on a utilisé la fonction animate. C'est super joli, mais ça nous apprend pas grand-chose sur le modèle qu'on n'était pas capable d'apprendre déjà avec le comportement avec la figure non animée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est repartir de la figure qui utilise l'argument var pour représenter la taille de population de la proie versus la taille de population du prédateur. On va l'améliorer un peu, on va lui donner un xlim et un ylim qui sont les mêmes. Simplement parce que
Ah, et puis on va lui donner un aspect ratio aussi qui est égal à 1. Parfait. Je vais juste baisser ça, on n'en a pas tellement besoin. Un aspect ratio qui est égal à 1. Ça, c'est important parce que ce que ça veut dire, c'est que un déplacement de 0,1 sur l'axe des x, c'est équivalent à un déplacement de 0,1 sur l'axe des y. Et c'est des unités qui sont exprimées dans la même grandeur, qui sont exprimées dans les mêmes quantités, et donc on va les garder dans le même, on va les garder dans les mêmes, dans la même grandeur d'un point de vue visuel. Donc ça, si on a une figure qui a un aspect ratio qui est différent, on va pas avoir la même lecture de ce que ça veut dire de se déplacer de, par exemple, 1 cm sur l'axe des x versus 1 cm sur l'axe des y. Puis c'est une erreur de visualisation qui est assez commune, en fait, d'avoir le mauvais aspect ratio pour les données qu'on représente. Donc si on voulait animer ça, concrètement, comment est-ce qu'on s'y prendrait? Ben exactement de la même manière que ce qu'on a fait avant. Okay. C'est-à-dire qu'on va. Ben je vais juste le. Non. Je vais juste le mettre ici. Celui-là, on va l'appeler pop cycle, par exemple. Et puis on va refaire la même chose qui est, au lieu d'avoir un plot de une seule variable, on va avoir un plot de nos deux variables qui va aller de 1 jusqu'à i. Et ensuite, on va faire un gif. Parfait. On exécute ça, on exécute ça. Et ça va être remplacé par une animation. Là, notre figure statique, elle nous apprend une chose qui est que bah, ça a l'air de faire une spirale. Okay. Il y a une information qui est manquante, c'est de voir comment est-ce que la spirale, elle se comporte. Puis, si on laisse cette animation jouer 2-3 fois, on va se rendre compte de quelque chose qui est quand même relativement fondamental, qui est que au début ça va vite, puis plus on s'approche de l'équilibre, ben moins ça va vite. Okay? Donc on a l'air d'avoir ici un changement dans la taille de population qui est très important, ici aussi ça va très vite, et puis quand on s'approche de l'équilibre, forcément ça ralentit. On sait que quand on est sur l'état d'équilibre, ça s'arrête. Mais là, ce qu'on apprend qui est assez intuitif, mais ça vaut toujours la peine de le vérifier, c'est que quand on s'approche de l'état d'équilibre, on va de plus en plus doucement. Il faut de plus en plus de temps pour se rapprocher de l'état d'équilibre dans ce système. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait dit, vu l'orientation des vecteurs à l'intérieur des quatre compartiments de notre figure, on disait qu'il devait y avoir une sorte d'oscillation qui allait se produire, puis là, c'est ce qui va être en train de se passer. Un truc qui était assez intéressant, c'est qu'on avait pris du temps à calculer les isoclines, on s'était donné du mal, et ce serait bien de vérifier que nos isoclines elles soient au bon endroit sur la figure. Donc pour ça, ben, on va pouvoir simplement aller les visualiser. Okay, donc sur notre figure, on va ajouter une première isocline en utilisant la fonction VLine, qui est une ligne verticale. Et puis ça c'est l'isocline du prédateur qui était delta sur bêta, et puis bêta c'était 0,45. 0,45. On va refaire cette figure-là tranquillement pour voir ce que ça fait. Pareil, on attend un petit peu que ça fasse que ça complète l'animation. C'est à peu près l'étape la plus longue. Parfait. Donc normalement, notre spirale, elle devrait converger vers un point qui est sur cette ligne. Excellent, c'est le cas. On va enlever sa légende. Tout ça encore, c'est dans la documentation de plots. On va le mettre en gris. Et puis, on va le mettre en hachuré. Je pense que ça va marcher. Juste pour améliorer un petit peu la présentation de notre figure. Okay, on peut toujours. Les figures exploratoires, c'est pas grave si c'est un peu moche, mais ça vaut quand même la peine de passer du temps à les rendre un minimum présentables, juste pour que ce soit plus facile à lire. Une figure exploratoire d'un modèle, vous allez passer des heures et des heures à la regarder. Moins il y a de choses qui vont vous distraire, bah plus ça va être efficace.
Okay, la deuxième isocline, on savait qu'elle avait, on connaissait ses coordonnées, donc pour x égale 0, et à couper, l'axe c'était x à r sur q, r c'est 0,2, donc c'est 0,2 sur 0,4. À x égale 0, sa position sur l'axe des y, c'était r sur delta, 0,2 sur 0,1. Est-ce que c'était r sur delta? Oui. Et puis, du coup, pour r sur q, ça valait 0. On va aussi la mettre en gris. On va aussi ne pas lui donner de légende. Et on va aussi... on va faire des points. Tiens, pour montrer que c'est l'isocline de la proie. Comme ça, ce sera différent. Parfait. On relance notre animation et on devait avoir, sauf erreur de ma part, ce qui est possible, on devrait avoir notre deuxième isocline. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, x égale 0, x égale r sur q, ça c'est bon, et l'autre c'est r sur... Ah, c'est pas r sur delta, c'est r sur gamma, 0,5. Ok. On va vérifier ça. Parfait. Là, au passage, peut vérifier différentes choses. Okay, rappelez-vous, la semaine dernière, on s'était dit dans cette partie-là de la figure, quand on est sous les deux isoclines, notre modèle il devrait aller vers le bas et puis vers la droite. Donc ça a l'air de se passer comme ça effectivement. Quand il franchit cette isocline, il devrait aller vers le haut puis vers la droite, ce qui est le cas. Quand il franchit cette isocline, il va aller vers le haut puis vers la gauche. Et puis celle-là, ça va être vers la gauche et puis vers le bas. Et puis il va continuer à faire ça jusqu'à atteindre les états d'équilibre. L'état d'équilibre aussi, il y en a qu'un en fait. Une des choses qu'on pourrait à ajouter sur cette visualisation, c'est quelque chose qui va nous informer sur la vitesse à laquelle le modèle il se déplace dans l'espace des deux paramètres. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille fouiller un petit peu dans un objet dans notre solution qui s'appelle U. Et puis U, c'est les tailles de population. Okay, donc on va juste refaire ici tranquillement solution.u. On est parti avec 0,05, 0,06. Après un pas de temps, on avait 0,058, 0,055, etc., etc. Et puis, à 200 pas de temps, on avait 0,22, 0,22, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est calculer la différence qu'il y a eu d'un pas de temps à l'autre. Si la différence est très élevée, le système se déplace très vite. Si la différence est très faible, le système se déplace pas très vite. Et si on visualise ça, ben on va voir les endroits dans l'espace pour lesquels le système se déplace évidemment plus ou moins vite. Comment est-ce qu'on mesure cette différence? Ben, on va commencer par prendre du deuxième pas de temps jusqu'à la fin. Donc ça, c'est où est-ce qu'on est rendu après un pas de temps. Et on va enlever d'où on est parti. Et puis d'où on est parti, c'est de 1 jusqu'à la fin moins 1. End dans Julia, c'est un mot-clé qui est utilisé pour faire plein de choses. Donc ça termine les boucles for, if, while, plein de choses. Mais quand on l'utilise dans un vecteur, c'est aussi une façon de dire le dernier élément. Donne-moi le dernier élément. Et puis c'est interprété d'une façon telle que end moins 1, c'est l'avant-dernier élément. End moins 3, c'est l'avant-avant-avant-dernier élément. Donc on va pouvoir soustraire ça. Ceci dit, ça, c'est pas un nombre, et ça, c'est pas un nombre, c'est des séries de nombres. Et ce qu'on veut, c'est soustraire chacun de ces nombres 2 à 2. Et là, on utilise une notation qu'on n'a pas encore utilisée, mais qui est de mettre un point devant l'opération. Puis le point, ce qui veut dire, c'est applique l'opération qui suit à chacun de ces éléments. C'est un truc qui n'existe pas en R, parce que R, par défaut, prend la décision pour vous d'appliquer l'opération à chacun des éléments. Dans Julia, c'est pas ça qui se passe. L'opération mathématique moins, elle a un sens, et c'est qu'on soustrait un nombre à un autre nombre. On ne soustrait pas un tableau de nombres à un autre tableau de nombres.
Donc si on veut faire ça, il faut spécifier, fais-le pour chacun des éléments. Au début, on peut trouver ça pénible, mais en fait, quand on utilise juste l'opérateur moins, on sait que c'est nécessairement quelque chose qui est... qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est nécessairement... ah, je sais ce que c'est. Pardon. On sait que c'est nécessairement l'opération qui est appliquée à chacun des éléments. Quand on va faire solution.u de tout ça, là, je vais juste augmenter la taille de mon terminal là, et aller le chercher ici. Ok. Là, ce qu'on a, c'est la quantité de changement qu'il y a eu dans la proie et la quantité de changement qu'il y a eu dans le prédateur. Ok. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire la somme de ça. On veut savoir à quel point le système il a changé vite. Mais surtout, que le changement soit positif ou négatif, ici, ça ne nous intéresse pas tellement. Donc ce qu'on va vouloir faire, je vais mettre ça ici, tiens. Ça nous fait, on va les avoir en parallèle. Parfait. Ce qu'on va vouloir, on va appeler ça différence. Okay. Donc ça, c'est nos différences d'un pas de temps à l'autre. Notez qu'on en a 200. Okay. On a 201 pas de temps. On a seulement 200 différences. Il va falloir régler ce problème par la suite. Il y aura une façon de le faire. Un problème à la fois. On va commencer par. On peut commencer par faire les valeurs absolues. Ou on peut commencer par. Il y a différentes choses qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction. Okay. Donc on va écrire fonction. On va l'appeler toChange pour dire qu'on va transformer nos différences en quantité de changement et ça va prendre un argument x. Et ce qu'on va faire à cet argument x, c'est qu'on va prendre la valeur absolue de chacun de ces éléments. Donc encore une fois, on utilise le point ici pour dire c'est pas la valeur absolue du vecteur, c'est la valeur absolue de chacun des éléments du vecteur. Et donne-moi la somme. Donc on va mettre return devant pour dire dis-moi à quel point ça a changé. Donc là, si on appelle notre fonction toChange avec on va dire 1 et puis moins 2, ça devrait nous donner 3. Okay. C'est 1. La valeur absolue de 1, c'est 1. La valeur absolue de moins 2, c'est 2. La somme de 1 et 2, c'est 3. La fonction a l'air de marcher. On peut l'exprimer différemment aussi, ou ce qu'on peut faire, c'est l'exprimer sous forme de valeur absolue. Okay, on peut, de distance euclidienne, pardon, je suis un peu confus ce matin. De distance euclidienne, on pourrait faire la racine carrée de la somme des x au carré. Peu importe. Là, pour l'instant, ça va nous suffire. Cette fonction-là, toChange, on va vouloir l'appliquer à chacun des éléments de différence. Donc pour ça, on va prendre notre fonction et on va dire point différence. Et là, ce que ça nous donne, c'est un vecteur qui a 200 éléments. Et ça, c'est la somme de la quantité de changement pour le premier pas de temps. Donc du premier au deuxième, puis du deuxième au troisième, puis du troisième au quatrième, etc., etc. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a... on a 200 pas de temps dans notre vecteur de changement. Comment on va l'appeler? On va l'appeler V pour vitesse. Mais on a 201 pas de temps dans notre intégration numérique. Donc ce qu'on va faire, pour sauver un petit peu de temps, c'est qu'on va faire on va rajouter à la fin de V. On peut prendre n'importe quelle décision, ok? Là, on va juste dire, on n'a pas calculé le changement qu'il y a eu à la fin, donc on va mettre un 0, par exemple. Et donc là, on se retrouve avec un vecteur qui a 201 éléments, dont le dernier est 0. Nouvel élément de notation qu'on vient d'introduire, point d'exclamation. Ça indique une fonction qui va modifier son argument. Donc, la fonction push, vous irez lire la documentation, elle va aller modifier son argument v, en ajoutant à la fin le deuxième argument qu'on lui donne.
De manière générale, je ne le dis pas pour chacune des fonctions, mais il est entendu dans ma tête que vous allez lire la documentation de tout ça. C'est pénible, je le sais, ça va pas vous plaire, vous allez m'en vouloir de vous faire lire la documentation. Je suis capable de vivre avec. Je fais ça depuis plusieurs années. Ce qui est vraiment important, c'est que vous fassiez l'exercice d'aller lire la documentation. Il y a énormément de choses qui sont dedans, et la différence entre rester bloqué sur un problème 30 minutes versus 3 jours, c'est votre capacité à aller lire la documentation. Si vous avez des questions sur qu'est-ce que je dois aller lire dans la documentation, c'est des questions qui sont pertinentes à poser, il y a probablement d'autres personnes qui se les posent, mais par pitié, allez lire la documentation, ça va vous faire gagner un temps incroyable. Ok. Une fois qu'on en est là, on peut se poser la question juste de à quelle vitesse est-ce que ça change tout ça? Donc c'est quoi le changement du système? Et le changement du système, pour l'instant, il ressemble à ça. Donc au début, il change un peu, puis il change beaucoup, puis il change de moins en moins, puis il rechange encore un peu, puis ça diminue, puis il y a des petites oscillations. Il y a des moments où ça change vraiment de manière radicale, ici. Tiens, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que ça changerait de manière aussi abrupte. Réfléchissez à ça. Posez-vous la question de qu'est-ce qui se passe à ces points-là. Où est-ce que vous trouvez la documentation? Il y a un channel dans Discord qui s'appelle Documentation, dans laquelle il y a quelques liens. Et puis sinon, si vous voulez voir la documentation de n'importe quelle fonction, vous écrivez un point d'interrogation et le nom de la fonction dans Julia. Vous allez sur le site julialang.org, il y a la documentation en ligne. Et puis il y a une autre fonction qui s'appelle à propos, que j'aime bien, qui va vous donner, quand vous lui donnez un mot-clé, va vous donner la liste de toutes les fonctions qui, dans la documentation, mentionnent ce mot-là. Push, à peu près tout va l'utiliser, c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai choisi. En tout cas, mais si vous faites à propos, moyenne, par exemple, vous allez avoir une liste de l'ensemble des fonctions qui utilisent ce mot-clé. En général, celles que vous allez vouloir, c'est celles qui sont dans Base ou Statistics ou tout ça. Mais il y a différentes façons d'accéder à la documentation. Ces façons d'accéder à la documentation, elles sont justement dans la documentation. Vous avez des liens pour tout ça sur Studium, définitivement. Ok, donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est utiliser notre figure qui nous dit à quelle vitesse le système y change pour améliorer l'animation qu'on avait fait. L'animation qu'on avait fait, c'était celle-ci. Et on va lui rajouter une information. Alors laissez-moi juste. On va lui rajouter une information avec l'argument LZ, qui va changer la couleur de la ligne, et on veut que la couleur de la ligne ce soit la vitesse à laquelle le système y change. Ah oui, ok, pardon, c'est juste que je l'ai mis au mauvais endroit. Et donc le temps que cette animation-là se fasse, on va finir par avoir notre animation. Donc là, ce qu'on va voir, c'est que la ligne, elle va changer de couleur en fonction de la vitesse à laquelle le système y change. Donc des couleurs, j'utilisais Viridis, donc des couleurs qui sont jaunes, ça veut dire que le système y change vite. Des couleurs qui sont bleu, violet, ça veut dire que le système y change doucement. Okay. Voyons voir. Ce qu'on va faire, on va enlever notre barre de couleur. La valeur du changement, c'est pas super important. Et on va rendre notre ligne plus épaisse. On va réexécuter tout ça. Et puis, on va avoir maintenant une version de notre figure où on va vraiment
mieux voir ce qui est en train de se passer en termes de changement dans notre système. Ok, parfait. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on part avec une vitesse moyenne, on accélère beaucoup, puis après on ralentit, puis on réaccélère, puis on re-ralentit, puis après on finit par ralentir de plus en plus, jusqu'au moment où on est proche de l'état d'équilibre. Okay. Donc reposez-vous peut-être la question de, on a vu que quand on regardait juste le vecteur de vitesse de changement, il y avait des transitions assez abruptes. Posez-vous la question, à quel moment sur cette figure-là est-ce qu'elles interviennent, ces transitions? Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier dans le système qui fait que ça change? Ok, donc là, tout ce travail-là, bon, c'était en pratique, c'était un peu une excuse pour introduire des différents éléments du langage. Mais en vrai, ce que ça nous permet de faire, c'est de visualiser un chemin que notre modèle il peut prendre. On est parti d'un point ici. Le problème qu'il y a avec tout ça, c'est que des points dans cet espace-là, qui va de 0 à 0,5 et de 0 à 0,5, il y en a une quantité qui est infinie. Donc si on était parti de tout là-haut, par exemple, 0,5, 0,5, qu'est-ce qu'on aurait fait en termes de dynamique? À quoi est-ce que notre modèle, il aurait, à quoi est-ce que notre dynamique, elle aurait ressemblé? Si on était parti un tout petit peu plus haut, ou un tout petit peu plus bas, ou un petit peu plus à gauche ou à droite, est-ce qu'on aurait pris un autre chemin pour se rendre à l'équilibre? Est-ce qu'on serait rendu à l'équilibre? Donc ça, il y a une façon de visualiser ce problème-là, et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire maintenant. Pour ça, on va avoir besoin de rajouter une petite subtilité. Parce qu'il va falloir qu'on refasse notre simulation du modèle plusieurs fois. Juste parce qu'on va, au lieu de faire partir notre modèle avec une valeur, U0, qui est un point, on va faire repartir notre modèle avec plein de valeurs différentes et puis on va le reproduire plusieurs fois. Donc pour commencer, on va créer un plot. Et puis ce plot, ça va être. D'abord, on va juste dire que ça va être l'isocline de la. C'est l'isocline de la proie. Ok, parfait. Là, c'est l'isocline de la proie. Pour l'instant, c'est encore assez moche. On va juste remettre ça comme il faut. Ok, ça, c'est l'isocline de la proie. C'est bon. On va rajouter à ce plot. Là, on peut spécifier à quel plot on rajoute les choses. Vous pouvez travailler sur plusieurs figures en même temps si vous voulez. Et c'est pas plot qu'on va utiliser d'ailleurs, c'est V-line. Et on va lui rajouter ceci, qui est l'isocline du prédateur. Ok, donc là on a créé notre figure qui nous dit voilà à quoi nos isoclines elles ressemblent. Maintenant ce qu'on veut c'est pour plein de combinaisons de valeurs représenter comment est-ce que le système il se comment est-ce qu'il arrive à cet équilibre. Donc on va se créer un range de valeurs qui va partir de 0,01 et qui va faire des sauts de 0,05 pour aller jusqu'à... ben ça s'arrête à 0,5. Ouais, ça s'arrête à 0,5. Parfait. Et puis ce qu'on va faire, c'est pour ben x0 qui va être la valeur initiale de notre proie. Et puis pour y0 dans la même chose. Donc toutes les valeurs de. On va faire un petit peu. On va faire ça. Toutes les combinaisons de valeurs de x0 ou de y0, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir créer un problème qui est le ODE problème avec notre système. À la place d'utiliser U0, on va utiliser x égale x0, y égale y0. On va aller de 0 jusqu'à 200. Et puis, garder les mêmes paramètres. La solution, ça va être solve
problème. Et puis on va les garder à tous les un pas de temps. Et sur notre plot, ici, qui s'appelle phase, on va rajouter. On va pas l'animer cette fois, c'est beaucoup trop long. On va tout faire. Vars égale x, y. Pas de légende. On va mettre ça en gris. Et puis, on va le rendre un petit peu transparent. Et puis quand on aura fini, on va regarder à quoi notre objet plot y ressemble. Va changer notre. Je vais voir si j'ai pas fait une erreur de d'échelle. Ok, on va pas se poser de questions, on va juste remettre nos arguments ici et refaire tout ça. Ok, donc voilà ce qu'on a. C'est pas terrible, mais au moins ça nous montre que notre code il fonctionne. Okay, pourquoi c'est pas terrible? Juste parce que bah, les points ils partent d'un peu partout là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer l'utilité de ce graphique. Une des façons, c'est qu'on peut faire plus de lignes, par exemple. Donc si on fait plus de lignes, on peut avoir quelque chose qui ressemble à ça. Ceci dit, un truc qui n'est pas très utile avec cette figure-là, c'est que bah, si on part d'un espace qui est, si on part d'un point qui est au milieu de notre espace, il y a des chances qu'on le visite déjà quand on part d'un des points qui est très près du bord. Donc ce qu'on va rajouter ici, c'est une petite condition qui est la suivante. Qui est, on veut uniquement un des points qui est le minimum ou le maximum de notre espace. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on va faire avec un mot-clé qui s'appelle if. Donc si x0 est égal au minimum du range, on va commencer avec ça. Okay. On va commencer avec ça parce que j'aime bien construire des trucs une étape par une étape. Donc là, ça marche. Okay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on part uniquement avec les points x0 qui sont vraiment sur la première valeur. Et on part avec x0 qui est très grand, ou x0 qui est très petit, et ça nous donne cette spirale que vous avez tous reconnue comme étant dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment. On va rajouter une deuxième condition en utilisant un opérateur qui s'appelle OU, cette fois-ci. En disant, ok, on veut prendre les valeurs de x0 qui sont les plus grandes ou les plus petites. Okay. Donc, soit proche de 0, soit proche de 0,5. Et là, pareil, ça marche. Okay, donc, on a nos valeurs qui sont proches de 0,5 et on vient d'ajouter une deuxième série de trajectoires. Puis, ben, on va faire la même chose avec nos y. Donc, on veut que ce soit ou y0 qui est égal au minimum, ou y0 qui est égal au maximum. C'est une ligne qui est un peu longue, puis il y a des meilleures façons de faire ça. Mais ce qu'on a là, c'est que notre système, il part uniquement des valeurs qui sont le plus proches possible, qui sont situées sur le bord, en fait. Donc il n'y a plus de lignes qui commencent au milieu. Il y a uniquement des lignes qui commencent sur les valeurs les plus extrêmes. Ce qui fait que notre figure, elle n'est pas super utile pour le moment. Ici, c'est que notre espace entre les lignes, il est très grand. Donc on va diminuer l'espace entre les lignes. Et puis, c'est parti. Ah. Et là, ok, là, il se passe quelque chose qui est un petit peu plus intéressant pour nous. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait partir nos points, pratiquement le début de notre système, ici, ici, ou des valeurs qui sont très grandes. Et puis si on regarde la façon dont ces lignes elles se superposent, ben, c'est pas du tout uniforme. Et c'est ça qui est assez. Donc il y a deux choses ici qu'il faut voir. La première chose évidemment, c'est que
Quoi qu'il arrive, on va se ramasser sur l'état d'équilibre qu'on avait identifié, donc à l'intersection des isoclines. C'est une des caractéristiques de ce modèle, et on va pouvoir le calculer quand on va commencer à vraiment calculer les comportements des états d'équilibre et introduire des notions de stabilité dans les semaines qui viennent. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il n'y a pas une façon infinie de se rendre sur cet état d'équilibre, et que plus on avance dans le temps, quel que soit l'endroit d'où on part, plus on se retrouve le long de soit cette branche de la spirale, soit cette branche de la spirale. Ça, c'est en plus d'être une figure qui est super jolie visuellement, c'est une intuition qui est extrêmement importante. Puis on peut regarder aussi même la façon d'arriver quand on a une valeur de x initiale très faible et y initiale très élevée. Ben on va rester sur le haut ici. Et puis une valeur initiale de x très faible et de y très faible, on va rester sur le bas, et puis ça finit par converger pour faire une branche, ça finit par converger pour faire une autre branche. Et si on augmente encore un petit peu le nombre de points qu'on va faire, donc on en fait 8 fois plus, ce qu'on va avoir, c'est essentiellement la même chose qui se répète. Okay. On a deux façons d'arriver sur notre. On a en gros deux chemins qui ont l'air d'attirer toute notre trajectoire vers notre état d'équilibre. Donc ça, c'est un exemple de figure qu'on peut faire pour visualiser le comportement du modèle. Là, au passage, on ne voit plus les isoclines parce qu'elles sont derrière. Si on veut rendre ça un petit peu plus facile à voir, on peut changer le 0,5 en 0,2. On peut rendre ça beaucoup plus transparent. Et donc là, on voit beaucoup mieux ce qui est en train de se passer. C'est toujours utile de faire ce genre de visualisation. Il y a plein d'autres façons de représenter les systèmes comme ça. Si on avait une troisième variable, on peut faire la même chose en 3D. Si on avait, on peut faire une version avec des flèches, ou faire varier l'épaisseur des lignes ou l'intensité des lignes, etc. On pourrait aussi assez facilement aller changer la couleur ici. On peut refaire notre exercice de tout à l'heure. Pourquoi? Bah, simplement parce que on est capable d'aller calculer notre différence ici, une fois qu'on a réglé notre problème. On va aller calculer les différences. On va aller calculer la vitesse du changement. Et puis ici, au lieu d'avoir une couleur, on va utiliser V comme étant la couleur des lignes. On veut pas de ligne de couleur, et puis c'est égal à viridis, c'est bien. Petit peu plus d'opérations à faire, donc ça prend un peu plus de temps, mais voilà le paysage qu'on a, d'une certaine manière. Et puis là, quand on est très loin, on est plutôt jaune. Et puis plus on se rapproche ici, et puis plus on va avoir un changement qui est petit. Donc là, au passage, les valeurs très élevées, elles correspondent à un système qui part très très loin de son état d'équilibre. Si on avait un système qui, si on se concentrait sur des valeurs plus proches de l'état d'équilibre, on aurait un système qui aurait des valeurs beaucoup plus. Où le dégradé de couleur serait plus apparent. Donc si on voulait faire ça, on pourrait dire par exemple qu'on va faire des valeurs entre 0,1 et 0,35, je sais pas. Okay. Et là, on voit ce que fait notre système. Donc quand on est loin ici, on va très vite. Quand on est loin ici, on va un peu moins vite. Et puis plus on s'approche de notre état d'équilibre, moins on va aller vite. Okay. Voilà. Donc ça, c'est une façon de penser au comportement de notre système qui est vraiment utile. Et donc on a la possibilité de faire des visualisations qui sont pas mal avancées, qui vont nous en apprendre de manière assez intuitive sur le comportement de notre système. Ok, je vais enlever ça pour une raison qui va être assez claire dans une minute. Je vais remettre ça en gris. On va refaire toute notre gamme de valeurs. Je vais juste vérifier qu'on soit revenu là où on en était au début. Ouais.
Oublié d'enlever ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Aucune idée de ce qui se passait. C'est pas grave. Oui, une des choses qu'on avait vues pendant la dernière séance, c'est que si jamais la valeur de R sur Q était inférieure à delta sur bêta, je crois, autrement dit, si l'isocline qui est là se retrouvait à gauche de l'isocline du prédateur, on ne devrait pas avoir de coexistence entre les deux. Donc, on peut tester ça rapidement. On va aller reprendre notre vecteur de paramètres ici. Il est là, hop, parfait. Et puis, on va aller le changer. Là, juste pour voir. Donc, pour que R sur Q soit à gauche, on va augmenter la valeur de Q. J'imagine que ça devrait suffire. On va voir. Donc là, on a changé Q qui est 0,8. On va juste changer notre isocline ici, 0,8. Ok. Là, nos isoclines, elles se coupent toujours. Okay? Mais elles se coupent toujours avec un beaucoup plus proches. Elles sont beaucoup plus proches les unes des autres et notre espèce de spirale super gracieuse, c'est devenu une espèce de. En tout cas, une espèce de collection de lignes qui approche l'équilibre presque tout droit. C'est la même chose mathématiquement, c'est juste beaucoup moins joli d'un point de vue visuel. Et il faut qu'on augmente encore un petit peu la valeur de ça. On va mettre 1,2. Ça devrait le faire. Ok. Là, nos isoclines, elles se coupent plus. Okay. Donc l'isocline pour le prédateur, elle a pas bougé. L'isocline pour la proie, elle a bougé. Et donc là, ce qui se passe, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois, si les isoclines ne vont pas se couper, notre système, il va perdre des prédateurs. Et puis il n'y a pas d'espace pour lesquels il y a suffisamment de proies pour que les prédateurs y réaugmentent en abondance. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que toutes nos trajectoires, cette fois, elles vont aller converger vers le moment où l'isocline de la proie va intercepter l'axe des x, c'est-à-dire r sur q, et y égale 0. Donc là, ce qu'on est en train de cartographier, en fait, c'est tous les scénarios possibles vers l'extinction des prédateurs. On est en train de voir toutes les combinaisons de taille de population qu'on met dans ce modèle-là, elles nous emmènent toutes vers le même chemin qui est l'extinction locale des prédateurs. Ce qu'on trouve quand même qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a encore une fois des chemins qui ont l'air d'attirer tous les autres. Donc soit on passe par là, soit on passe par là, il y a beaucoup de chemins qui se superposent, soit on passe par là, et on finit par arriver sur ce point. Et donc si on zoomait, on verrait toutes ces lignes sûrement converger les unes vers les autres. Ça, c'est un exercice que je vous encourage à faire, c'est de prendre... de reprendre ce code et de se dire, ok, ben, qu'est-ce qui se passe si vraiment on regarde de très très près, entre 0,1 et 0,2 ici, ou entre 0,15 et 0,17. Donc si vraiment on zoome sur l'équilibre, qu'est-ce qu'elles font, ces lignes? Est-ce que ça finit par faire des choses qui sont discrètes? Est-ce que ça finit par être continu ou pas? Et donc il y a plein d'interprétations qu'on peut avoir de notre système sur une base uniquement visuelle. Ça, c'est les techniques que vous pouvez utiliser pour... je vais analyser ça. Ça m'oppresse un peu cette figure. On va remettre la spirale. J'aime bien. Magnifique. C'est les techniques que vous pouvez utiliser en parallèle à une analyse mathématique de votre modèle. Okay? On verra...
Vous aurez un moment dans la session à faire cet exercice-là avec un modèle dans lequel il y a trois variables. Donc ça, c'est une technique qui s'applique aussi en 3D. C'est pas forcément aussi pertinent, mais c'est faisable. Et donc ça peut vous permettre de vérifier des intuitions que vous développez. Pour l'instant, je sais que j'utilise ce mot intuition assez souvent, ce qui peut être surprenant dans un cours où on est censé parler de mathématiques, mais c'est super important de savoir à quoi s'attendre d'une certaine manière. Et le fait de pouvoir visualiser le comportement du système, de voir quand est-ce que ça change rapidement, quand est-ce que ça change moins rapidement, est-ce qu'il y a des endroits qui font qu'on passe d'un changement rapide à un changement plus lent, est-ce que quel que soit l'endroit d'où on part, on arrive au même endroit, il y a des modèles pour lesquels ce n'est pas le cas, soit dit en passant, on en verra quelques-uns dans la session. C'est extrêmement important parce que souvent ça va vous permettre de donner du sens à votre analyse mathématique. Donc l'idée c'est pas qu'on a d'un côté la programmation du modèle, puis de l'autre l'analyse. C'est que c'est deux pratiques qui vont être extrêmement complémentaires et quand on fait les deux à la fois, et quand on utilise chacune de ces pratiques pour ce qu'elle nous permet de très bien faire, on va avoir une compréhension de notre problème qui est beaucoup plus approfondie. Puis là, on a la possibilité de faire des visualisations qui sont relativement faciles à faire, qu'on peut rendre dynamiques, et ça va nous permettre de comprendre, pas de comprendre, ça va nous permettre d'avoir des intuitions sur ce qui se passe, et donc de confirmer certains des résultats. Donc vous voyez pas ça comme, il y a une étape qui est le préambule à l'autre, vous voyez ça comme deux étapes qu'on va faire souvent en parallèle, et ce que vous allez apprendre d'un côté va nourrir ce que vous allez faire de l'autre. Et c'est extrêmement important d'avoir ce dialogue entre les deux techniques. Dans le cours de jeudi, on va revenir sur des choses mathématiques. Puis juste pour les questions de logistique, les séances théoriques puis les séances pratiques, elles sont séparées. Mais quand vous aurez à faire les devoirs optionnels, quand vous aurez à faire l'examen que vous aurez à faire à la maison, vous allez devoir utiliser les deux approches en même temps. Dans les 10 minutes qui nous restent, il n'y a pas de devoir optionnel associé à cette séance. Je vous encourage à éventuellement revisiter ce genre de visualisation pour, par exemple, si vous avez travaillé sur le modèle de Chemostat avec des entrées et des sorties variables, est-ce que vous êtes capable de produire des animations comme ça? Puis qu'est-ce que ça vous apprend? Est-ce que ça change votre compréhension de ce que vous aviez écrit? N'oubliez pas que vous avez le devoir optionnel sur l'identification visuelle des équilibres dans le modèle proie-prédateur en enlevant la compétition intraspécifique chez la proie et qui a, je pense, un troisième. Il doit y avoir un troisième qui est déjà sur Studium. Pour chacun des devoirs, il y a un canal Discord qui correspond, que je vous suggère d'utiliser si vous avez des questions. On va essayer de garder ça relativement spoiler-free. Si possible, mais si vous avez des questions d'ordre général ou que vous êtes un peu perdu sur l'approche à utiliser, n'hésitez pas à les utiliser. L'objectif des devoirs optionnels, c'est pas de vous rajouter du travail, c'est de vous préparer aux deux examens aux deux épreuves de mi-session. Okay, donc l'examen oral sur la partie mathématique et puis l'examen pratique sur la programmation. Chacun des devoirs est conçu pour vous faire travailler une compétence très spécifique dont vous allez avoir besoin par la suite. Donc, si vous les faites, vous allez vous rendre un grand service. Si vous les faites pas, c'est tout à fait possible de réussir les deux épreuves qu'il va y avoir. Mais je vous suggère fortement de les faire. Ils sont tous conçus pour être terminés en 15-20 minutes maximum. C'est pas des devoirs qui vont vous demander des heures de travail. Donc essayez de les faire. Ça va aussi si vous n'y arrivez pas systématiquement, si vous arrivez à en faire aucun, c'est le moment de venir me parler pour essayer de comprendre pourquoi. Ok, je vais mettre fin à la diffusion. Désolé pour les problèmes techniques du début de la séance. Je pense que j'ai compris ma leçon moi aussi et je vais arrêter les notebooks pour la suite. L'enregistrement va, comme d'habitude, être disponible d'ici 1 heure ou 2 sur la chaîne, sur la playlist du cours. Et je vais reformater le code et le mettre sur Discord. Et dans les 10 minutes qui restent, je vais rester sur le canal
des cours en ligne si vous avez des questions à poser, et sinon on se voit jeudi matin.